Alors bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un cours de renforcement musculaire avec un petit peu de cardio, principalement sur le bas du corps. Donc je suis avec Enora et donc on va être parti pour une petite séance. Donc vous aurez besoin de vos tapis, votre serviette et d'une bouteille d'eau. Et puis bah, on est parti. Je vais mettre la musique et on va commencer par un petit échauffement. Ok, on est parti. Allez, on va marcher pied droit. On marche. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et on relâche. On continue à marcher. Et ensuite, on va partir en step touch à droite. Allez, step touch à droite, c'est parti. Ok, pour l'instant, on relâche les bras. Et là, on va les activer, on va venir croiser devant et serrer les omoplates derrière. Le dos est bien droit, le regard est droit devant. Allez, encore. Ok. On va partir en double step touch à droite. C'est parti. Et on garde les bras. Ok, restez comme ça. Moi, je vous montre, on va ensuite partir en grapevine. Donc, je croise derrière et je viens faire un talon de fesse à la fin. On est parti? Derrière et talons fesses. Et je garde les bras. Allez, encore. Dernier aller-retour et on va repasser en step touch. Ok. On va passer sur des talons fesses alternés. On est parti. On garde toujours les bras. Allez, encore. On fléchit un peu plus sur les jambes. Allez, encore. On va ensuite passer sur des genoux alternés. Genoux alternés, on est parti. On vient bien chercher haut le bras pour le ramener au niveau du genou. Pour ramener le coude au niveau du genou, pardon. Allez, encore. On va repartir en step touch. Dernier. Et step touch. Ok. On va venir échauffer un petit peu les cuisses.
Donc, je vous laisse rester en step touch. Et à mon signal, on va venir bloquer. Et je vais faire deux squats et je remonte. Ok, on bloque. Et on descend. On remonte. Encore. Quart de squat. Pointe de pied à 10h10. Les genoux dans la direction des pointes de pied. Les omoplates serrées. Le dos droit. Et le regard bien droit devant. Allez, encore. Pour l'instant, pas de trop grande flexion. Allez, encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Ok. On a fini pour la petite partie échauffement, donc on va enchaîner directement. Si vous voulez boire un coup, prenez le temps de le faire. On va enchaîner ensuite. Donc, je vous montre avec des squats pieds collés. Et je vais venir descendre. Donc, descendre en flexion. Et je remonte. Les pieds sont collés, les pointes de pied dans la même direction, les genoux dans la direction des pointes de pied. Et on est parti. On descend en deux temps et on remonte en deux temps. Descend, remonte, remonte. Encore. Descend, descend, monte, monte. Encore. Encore. Encore deux. Dernier, on passe en single. Descend, monte, monte et on descend, on monte. Single. Allez, encore. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, je bloque en bas ensuite. Je bloque. Ok. C'est pas fini. On va venir faire 3 pulses en bas et on va remonter. 3, 2, 1, je remonte, je redescends. Encore. 3, 2, 1. Encore. Encore. Encore 4. Et je remonte. 3, 2, 1. Et je remonte. Deux derniers. Dernier. Et je relâche. Ok. On va ensuite écarter donc, les pieds largeur de bassin, pointe de pied ouverte à 10h10. On va venir faire des squats largeur de bassin. Donc même chose qu'à l'échauffement. Je descends mais cette fois en flexion complète. C'est vous qui le sentez. Les genoux en direction des pointes de pied. Le dos est bien droit, les omoplates sont serrées. Ok. Et on va commencer par descendre en deux temps et remonter en deux temps. Donc, on se met en place. Et on est parti pour descendre en deux temps. Descends, descends, monte, monte. Encore. On écarte bien les genoux vers l'extérieur. Pas de genoux qui rentrent. Encore. Encore 4. 3. 2. Dernier, on enchaîne avec les singles. Single, c'est parti. Monte, descend, monte. Toujours le dos bien droit, les omoplates serrées. On regarde loin devant soi. Les fessiers vers l'arrière, c'est pas le buste qui se penche vers l'avant. Allez, encore. Dernier, et je bloque en bas. Ok. Allez, on tient. On va passer au pulse. On en a 4. Donc 3 pulses.
et je remonte. Encore trois fois. Deux. Un. Encore deux fois. Dernier. Et je relâche. Ok. On va ensuite passer à une partie un peu plus cardio. Donc, on va venir alterner deux mouvements. Donc, le premier, ce sera le jumping jack. Donc, j'écarte les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes des pieds. Et je viens monter les bras en haut. Donc, celui-ci. Et à mon signal, on changera pour passer sur les ciseaux. Donc, un pied devant, un pied derrière. Et je mets des bras. Ok ? On va partir pour trois séries. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent sans impact, je viens juste pointer le pied sur le côté. Toujours avec les bras. Et ciseaux. Pardon, c'est moi. Pour ceux qui ne veulent pas d'impact, pareil, je viens pointer devant. Et je mets toujours les bras. Attention, on va repartir en jumping jack. Maintenant. Attention, ciseaux. Attention, jumping jack. Maintenant. Ok. Attention. Ciseaux. Allez, on va le faire une dernière fois. Allez, on repasse en jumping jack. Allez, dernier ciseau. Ciseaux, c'est parti. Hydrater si vous avez besoin. On va passer à notre dernier exercice de Ok, donc je vous montre. On va venir faire des fentes. Donc, un pied devant, un pied derrière. Je fléchis la jambe de derrière. Genou à 90 degrés. Le genou devant, même chose. Le genou de la jambe avant. Et dans l'alignement avec la cheville, les omoplates sont resserrées. Et on va partir pour descendre en deux temps et monter en deux temps. C'est parti. Descends, descends, monte, monte. Encore. On peut céder les bras. Allez. Encore quatre en deux temps. Trois. Les mains peuvent être sur les hanches également. Et on part en single. Descends, monte. Allez, dernier et je bloque en bas. Allez, on pense à bien souffler. On inspire, on expire. Et on va venir faire trois petits pulses en bas. Et je monte le genou. Trois pulses. Et je monte le genou. Allez, encore. Encore deux. Le poids de la jambe avant est sur le talon. Dernier. Ok, on relâche.
On va ensuite passer sur l'autre jambe. Je vous laisse souffler de quelques minutes. Ok. Donc on va partir sur l'autre jambe, même chose. Descente en deux temps, remontée en deux temps. Allez, on se met en position. Et c'est parti. Descends, descends, monte, monte. Encore. Descends. Attention à toujours garder le genou de la jambe avant dans l'alignement avec la cheville. Les épaules sont au même niveau de face. Ok, on passe en single, descend et monte. Allez, encore. Encore 8. 5. 4. 3. 2. Dernier et je bloque en bas. Et on va venir, même chose, faire les trois petits pulses en bas et le genou. Allez, on est parti pour quatre comme ça. Dernier. Et on relâche. Ok, je vous laisse vous hydrater. On va refaire une petite session de cardio. Je vous montre. On va alterner ce mouvement-là, donc le tipping, avec celui qu'on a vu tout à l'heure, donc les ciseaux. Celui-ci. Je vous laisse souffler. Et on va se mettre en position. Et on est parti pour le tipping. Je reste sur la pointe des pieds. Allons se décoller. Si c'est trop difficile, je vous laisse gérer la fréquence. Attention, on va passer en ciseaux. Et on est parti, ciseaux. On garde bien devant. Droit devant soi. Ok, on va repasser en tipping. Attention. Et tipping, on est reparti. Allez, c'est l'avant-dernier tour. Ensuite, passer au ciseau. Attention. Et ciseau. Allez, dernier tipping. Passer au ciseau et ciseau. Et on relâche. Ok, je vous laisse vous hydrater, prendre votre tapis, votre serviette. Et on va passer sur le renforcement musculaire au sol. Ok, j'espère que ça va pour vous. Ok. Donc on va venir se mettre allongé sur le côté. Donc le
bras tendu au sol, l'oreille sur, au niveau du biceps. Les genoux, le bassin et les épaules sont alignés. Et je vous montre, on va venir. Avec la jambe du dessus, on va rentrer la pointe de pied vers l'intérieur et on va venir monter et descendre. Pas plus haut que ça. Ok ? On va commencer par monter en deux temps, descendre deux temps. Vous laissez vous placer. Et on est parti. On monte en deux temps. Et on descend. Ok, encore 6. Encore 4. 3. 2. Dernier. Et on passe en single. Single. Descend. Monte. Descend. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, et je bloque en haut. Okay. Pensez à inspirer, à expirer. J'inspire quand je descends, je souffle quand on monte. Et là, on est parti pour les bœufs. 1, 2, 3, je descends, je remonte. Encore. Dernier. Et je relâche. Je vais amener mon genou contre ma poitrine pour relâcher. Ok. On fera l'autre jambe après. On va passer juste, on va s'allonger sur le dos. Donc, la tête collée au tapis. Les paumes de main sur le tapis également. Et on va venir monter le bassin. Donc, alignement genou, bassin, épaule. Et redescend. Ok. On va partir pour monter en deux temps, descendre en deux temps. C'est parti. Je monte, je descends. Pensez à contracter les fessiers quand vous êtes en haut. Le poids, il est sur les talons. Et pour ceux qui veulent compliquer, je peux venir me mettre sur la pointe des pieds. Allez, encore. Encore 4 comme ça. Donc pensez bien à l'alignement de vos genoux, de votre bassin et de vos épaules. On va partir en single. Single. Allez. Encore 8. Dernier. Et je bloque en haut. Donc, pour ceux qui veulent, sur les pointes de pied, sinon sur les talons. Et vous y choisissez. Et on relâche. Ok. On va passer sur l'autre jambe de notre exercice de tout à l'heure. On va se mettre sur le côté. Le bras allongé. Toujours l'alignement. Bassin, épaule et cuisse. Et on va partir pour monter en deux temps et descendre en deux temps. On est parti. Monte, monte, descend, descend. Encore. Allez, encore 4 comme ça. 3.
deux. Dernier. Et on passe en single. C'est parti. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, et je bloque en haut. Ok. Allez, c'est presque la fin. Petit pulse. Et je descends. Encore. Encore deux comme ça. Dernier. Je relâche et je peux amener le genou au niveau de ma poitrine. On vient s'allonger sur le dos. On va finir par des petits relevés de bassin. Et ensuite, on passera au retour au calme. Donc, même chose que tout à l'heure. Pensez à l'alignement des genoux, du bassin et des épaules. Et on monte en deux temps, on descend en deux temps. C'est parti. Monte, monte, descend, descend. Encore. C'est le dernier exercice. Je rappelle pour ceux qui veulent, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Encore. Encore trois comme ça. Ok, single. Encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier. Et je bloque en haut. Allez, on est sur la fin, là. Et on relâche. Ok, restez allongé sur le dos. Venez attraper le genou avec vos bras. Et je vais changer la musique, on va passer au retour au calme. On va pouvoir, toujours en gardant les genoux au niveau de la poitrine, venir faire des petits cercles avec le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on va venir placer les bras en croix, les genoux en angle droit, et on va venir basculer les genoux d'un côté et la tête de l'autre côté. Les deux épaules sont enfoncées dans le tapis. Ok, on ramène un genou en même temps que la tête et l'autre genou va suivre. On va basculer les genoux de l'autre côté et la tête à l'opposé. Les épaules toujours bien enfoncées dans le tapis. Et on inspire. Ensuite.
On ramène les genoux. On va basculer de l'autre côté et venir se mettre en position sur les genoux. Okay. Donc on va avancer un pied devant l'autre, le genou dans l'alignement avec la cheville. Et on va venir attraper la cheville du pied arrière. Le dos est bien droit. On étire son quadriceps. On inspire, on expire. Okay, on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On attrape sa cheville. Projeter les pieds derrière. On va venir dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. On va finir par prendre trois grandes inspirations. Fléchir les genoux. On s'étire. On relâche tout vers le bas, on se détend, on relâche le haut du corps. Et on va venir poser les mains sur les genoux et dérouler tranquillement les genoux en finissant toujours par la tête. Ok, donc c'est bon pour moi, on a fini notre petite séance de renfo. J'espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.